parle les Barbies? Mais oui, on parle! Oh, bah coucou les Barbies! Bah, qu'est-ce que vous faites dans cette vidéo? Mais... il y a Océane. Il y a Océane? Oui. Mais elle est où, Océane? Vous l'avez cachée sous votre robe? Mais non! Bah, je suis là! Ah, tu m'as bien eu! Tu étais là! Oh là là, tu m'as fait une blague, dis donc! Les petits copains, est-ce que vous avez bien eu Océane? Parce que moi, elle m'a bien eu, hein. J'ai cru que les Barbies parlaient, dis donc. Mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et puis, j'ai la Barbie normale et j'ai la Barbie la plus grande. Waouh, c'est quoi cette grosse Barbie? En fait, tu vas nous présenter une Barbie XXL, c'est ça? Oui. Ouais, trop bien. Alors, celle que tu as dans les mains, on la connaît déjà. Oui. C'était Elsa. Ben, c'est Elsa un peu relookée, on va dire, avec les vêtements que tu avais eu à ton anniversaire d'ailleurs de Barbie. Et à côté, on a une super belle, méga, énorme Barbie Dreamtopia. Alors Dreamtopia, t'en as déjà toi, t'as quoi? T'as la sirène notamment de Dreamtopia, non? Oui, parce que elle était en Espagne, mais la sirène aussi. Mais elle avait pas la même couleur que de robe. Alors oui, c'est une Barbie, les amis, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver et que Océane voulait depuis un petit moment déjà. Oui. Et ça y est, son rêve est réalisé. Alors bien sûr, on lui a offert cette Barbie parce qu'Océane, elle a eu un petit souci, elle a dû aller chez le docteur. Et le traitement, eh ben, il faisait un petit peu mal. Alors du coup, pour la consoler, et comme elle a été très très courageuse, surtout pendant tout son traitement, vous rassurez-vous, c'est pas grave du tout, pas grave du tout. C'est juste que le traitement est un petit peu... ça pique. Oui, ça pique, ça chatouille et ça... et ça gratouille. Du coup, on a voulu te faire une petite récompense, voilà, parce que tu as été très très courageuse, louloute. Et puis, voilà, ça va mieux maintenant, toi? Oui. Oui, rien de grave, les amis, ne vous inquiétez surtout pas. Donc Océane voulait cette Barbie qu'elle avait déjà vue sur une autre chaîne YouTube. Sur Madame Récré. Et oui, que tu regardes énormément. Tu adores Madame Récré. Et elle avait ouvert une Barbie. Enfin, elle avait pas ouvert une Barbie, je crois qu'elle avait fait... Elle a ouvert cette Barbie. Ah ok, bon moi j'ai pas vu la vidéo. Elle avait présenté cette Barbie en fait. Elle avait présenté cette Barbie, Océane en rêvait depuis un moment. Et elle est très très dure à trouver. Alors, normalement, on la trouve beaucoup en Espagne. D'ailleurs, on est allé en Espagne récemment. Et on l'avait vue en Espagne, mais c'était pas le bon coloris. Oui. Elle existe en 3 coloris différents. Donc là, nous, on a pris... tu montres un peu au loulou? Nous, on a pris un coloris bleu et rose, qui est la version originale. Après, elle existe multicolore. Et elle existe aussi avec la peau plus foncée et les cheveux bruns. Voilà. Donc, nous, on l'a trouvée en France. Vous pouvez vous la procurer sur internet, mais je trouve que c'est un petit peu cher quand même s'il y a des frais de port qui sont très élevés. Mais sinon, en France, on peut la trouver chez Maxitos. Voilà, c'est le seul magasin de jouets dans lequel on l'a trouvé. Bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui l'ai achetée pour faire plaisir à Océane. Donc, on va présenter un petit peu la boîte. Oui. Alors, fais voir un peu, je vais montrer un peu de plus près aux copains à quoi elle ressemble. Alors, si ça rentre. Alors voilà, c'est une Barbie Dreamtopia, donc il y a toute une collection Dreamtopia. Elle est à partir de 3 ans, et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, elle est tellement grande qu'elle ne rentre pas. Et elle a un super diadème, elle a plein d'accessoires qu'on va voir après qu'on peut rentrer dans la brosse. Et derrière, on nous marque qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Barbie. Elle mesure pas moins de 43 cm, alors qu'une Barbie normale, normalement, elle mesure... à peu près 15, en fait exactement 14 cm de moins que cette Barbie. D'ailleurs, vous pourrez voir à côté comme elle est super grande. On peut lui faire des coiffures. En fait, c'est une Barbie à coiffer et elle est toute articulée. Donc, on va ouvrir la boîte et puis ben, on se retrouve tout de suite, les loulous. Oui. T'as terminé de sortir ta superbe Barbie? Oui. Wow, elle a des cheveux super longs, j'ai l'impression. Alors, elle est délivrée avec plein d'accessoires. Alors, on les montre aux copains? Oui. Alors, je vais vous montrer tout d'abord les diadèmes. Donc, elle en a un sur sa tête, comme Océane vous montre. Ensuite, elle a un deuxième diadème rose. Et trop beau. Un autre, un petit serre-tête, là, cette fois-ci, qui est avec des petites fleurs.
voilà, rose et bleu. Et un deuxième serre-tête avec un nœud tout bleu avec une pierre rose au milieu. Ensuite, on avait aussi des barrettes. Une petite barrette en forme de nœud. Et des petits peignes. On dirait un peu les barrettes qu'on les attache dans les cheveux aussi. Oui, c'est ça. Et des petits peignes, on en a un. De nœud. Rose. Oui. Un rose, il est ici. Et un bleu. Un bleu. Avec ça, c'est tout ce qu'on avait ou on avait autre chose? On avait aussi une brosse. Waouh, tu me l'avais montré? Et dedans, pour ranger tous les accessoires. Merci Louloute, c'est vrai, on peut ranger des choses dedans? Oui. Alors regardez les amis, on avait une énorme brosse à l'intérieur avec le sigle Barbie dessus. Trop trop belle, on est déjà un peu coiffée, sa Barbie, on voit les cheveux. Donc voilà, trop trop belle avec écrit Barbie. Et on peut l'ouvrir. Alors je vais montrer les amis. Hop. Ça c'est dur pour moi. Voilà. Et à l'intérieur de ça, on range quoi? On range Océane. Non, on range les accessoires. Ah, on range les accessoires à l'intérieur. Bah, tu peux peut-être les ranger. Et on va un peu plus s'attarder sur la Barbie. Parce que vraiment, j'avais jamais vu de Barbie aussi grande. Alors je voulais vous la montrer. Je peux la prendre? Oui. Merci Louloute. Alors voici la superbe Barbie, voilà, qui est ici. Donc là, elle est vraiment très très grande et elle a une super particularité. C'est qu'elle est toute articulée. Voilà, donc déjà on bouge la tête, voilà. Donc, comme toutes les Barbies, hein. Oui, mais voilà. Pas les mains, elle les a une genoux, super chevelure. Et elle a, voilà, des articulations. Partout. De partout où pas comme elle, regardez. Elle, c'est que les bras, on peut que les mettre comme ça. Et les jambes, on peut les mettre comme ça ou faire le grand écart. Voilà, c'est ça. Et là, elle est vraiment articulée de partout, cette Barbie. Donc ça, c'est cool. Et même au niveau, en fait, des genoux. Des genoux où elle peut plier enfin les jambes pour s'asseoir sur des chaises. Oui, c'est ça qu'il me faut comme Barbie. Et elle a des superbes chaussures. Moi, il me faut des Barbie comme ça, tout articulées. Voilà, des super Barbie tout articulées. Alors, est-ce que tu veux montrer un peu la différence avec ton autre Barbie? Question taille. Est-ce qu'on fait la taille? Oui. Alors, voilà la grande que maman vous a présentée. Elle est un peu lourde. Hein. Et voilà la petite. Waouh, c'est vraiment flagrant là les amis, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, tu la trouves vachement grandie? Oui. Et ce que maman ne vous a pas montré, c'est qu'elle a des petites mèches roses comme ma sirène. Waouh, trop beau, trop trop beau. Est-ce que tu veux montrer comment je la coiffe? Ouais, comment tu la coiffes? D'accord, je vais aller l'asseoir. Alors, est-ce qu'elle est facile à manipuler? Ouais. Pas pour l'instant, parce qu'elle vient tout juste de déballer. Comme ça, voilà, on va l'asseoir bien. Alors. Mais par contre, je ne sais pas si elle va rentrer dans la maison de Barbie. Hein. Non, je crois pas moi. C'est pas grave. Là, le principal sur ce Barbie, c'est de la coiffer. En fait, c'est un peu oui. Comme une Barbie tête à coiffer, mais en version vraiment poupée. Voilà, c'est ça. On a une Barbie qui est que faite pour coiffer. Et jouer avec aussi. Oui, un peu. Après, on peut dire que c'est la géante Barbie. Wow, qui vient. Aussi, on peut dire que c'est la mère des Barbies. Ah oui, on peut dire que c'est la maman Barbie, oui. Maman, elle était partie dans un délire. On peut dire que c'est la... maman des Barbies, tout à fait. Mais qui ne peut pas rentrer dans sa maison, ça c'est cool. Après, je ne sais pas s'ils vont faire d'autres accessoires. Ils pourraient y avoir, ils vont faire d'autres Barbies. Tu crois, ouais. Ou d'autres tâches. Voilà, ce serait bien qu'ils développent tout un mobilier en fait pour les Barbies un peu plus grandes, parce que là, ouais. Du coup... on dirait une poupée en fait. Voilà, ça... ouais, c'est... ça a la même taille des poupées. Ah oui, bah, peut-être dans une maison de poupée alors. J'en ai pas de maison par contre de poupée. Oh là là, la bonne maison de poupée. Elle peut rentrer dans les lits de poupée. Alors Océane, il faut savoir que dans sa chambre, elle a une maison de Barbie. Une maison de Sylvanian. Une maison de Peppa Pig. On a un
l'univers des Playmobil. Playmobil et Pinipon. Et Pinipon et Lego. Ouais, les Lego, ça va, ils sont dans des boîtes, ils sont démontés. Mais du coup, on commence à manquer un petit peu de place dans ta chambre. Hein. Alors. Ça y est, les amis, on a enlevé en fait la petite couronne parce qu'elle était bien accrochée sur les barniers. Oui, alors. Plein d'élastiques. Oui, faut que je la recoiffe. Oh, faut que tu la recoiffes. On dirait un peu réponse en ce barnier avec sa longue chevelure. Waouh, elle est trop belle. Alors, je vous avais dit que j'allais essayer de se sauter. Alors, déjà, il faut qu'on tourne la tête vers moi. Ouais. Ça. Et qu'on va. Je vais mettre. Voilà, donc on va le mettre plutôt comme ça, qu'on va pas le mettre comme normal dans le surtout. Et je vais lui mettre, je crois que je vais lui mettre une petite barrette comme ça. Une petite. Je crois que ça, c'est pas pour ça. Je vais coiffer une mèche, celle que je vais mettre, celle que je vais lui attacher avec la barrette. Voilà. Et je prends cette petite barrette-là, que je l'ouvre à l'arrière. Et que je vais venir placer juste ici, comme ça, ou un peu, je sais pas trop comment je vais la placer, hein, parce que j'ai pas trop d'espace. Alors je vais pas mettre une barrette, parce que ça va pas trop donner un effet un peu trop joli. À la place d'une barrette, on va mettre un serre-tête et regardez la tuya. Alors. Pour la mettre, il suffit de mettre le serpent un peu en arrière et de mettre sa tire. Je lui ai mis dans l'œil là, non. Un peu comme ça, voilà. Je vais mettre la tire, genre comme ça. Genre sur le dessus, voilà. On va lui mettre comme ça. À mon avis, il faut que tu enlèves le serpent pour mettre la tire. Je crois qu'il faut l'enlever. C'est assez dire. Je vais mettre le nœud papillon comme ça. Bon, du coup, on change, on met le nœud papillon, d'accord, on se saille. Le nœud papillon, c'est vraiment le plus beau qui, moi. Les amis, nous avons terminé cette petite présentation de cette grande Barbie. Alors, Louloute, est-ce qu'elle te plaît et est-ce qu'elle est à la hauteur de tes espérances? Oui. Elle te plaît vraiment? Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur cette Barbie? C'est ses cheveux et ses chaussures. Et pas sa taille. Si, parce que ça peut être les mamans des Barbies. Quand même, la taille est un point positif, je trouve. Et surtout, moi, le gros point positif que je trouve à cette Barbie, c'est surtout les articulations. Moi, c'est pareil. Ouais, c'est trop bien ça. Elle va pouvoir s'asseoir pour de vrai, pour une fois, la Barbie. Oui. Trop bien. Bon, les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà... eu cette Barbie ou vu, ou si vous l'avez déjà vu cette Barbie, elle est vraiment trop bien. Vous pouvez nous dire aussi si vous l'aimez bien, si vous ne l'aimez pas trop, si vous préférez les Barbie classiques, les Barbie simple, voilà, simple, sirène, Dreamtopia, pas Dreamtopia, il y a les Fashionista, il y a les Dreamtopia, il y a les Barbie de l'espace, enfin bon, il y a plein de Barbie. Les Barbie qui sont enceintes. Voilà, donc dites-nous tout dans les commentaires. Nous, on va vous laisser. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous. Mouah.